Ici Krico pour une nouvelle épisode de Zelda Intégral et nous sommes rendus proche du donjon du feu et donc on avait une petite pancarte ou pierre qui disait justement que étanche ma soif et le chemin s'ouvrira. Il doit parler de ceci. Donc je crois qu'il faut amener de l'eau. On va aller chercher de l'eau. Non, voilà. Donc, on a de l'eau. Donc, maintenant qu'on a de l'eau, on va pouvoir repartir, aller chercher le reste. Pour la suite des choses. Et voilà. Étanché, mais ça se voit. Oh, les flammes se sont éteintes. On va pouvoir avancer. Allez, petit Goron. Mon ami Goron! Oh. Boing, boing! On raconte que Franca est caché par ici. Mais on raconte aussi que pour l'atteindre, il faut s'engouffrer dans le sol comme un magma. Ah ah! Ça sent le nouvel item, ça. Ah ah! Vas-y, amener plus d'eau. Bon, faut amener une grosse quantité d'eau. Parce que là... remplir les trois. Non, j'ai pas de potion. Pourquoi je buvrais l'eau? Je vais boire l'eau pour s'il y a une fée ou quelque chose. Remplir votre flacon d'eau. Merci. Oh, là, les trois flacons sont pleins d'eau. Donc, je vais pouvoir continuer. Oh, bien joué, bien j'y vais, ok, bon. On repart. Attends, c'est vrai, il y avait un... D'accord, ok, il me prépare pour la suite des choses. Parce qu'en fait, je suis pas encore dans le donjon. Proche, mais pas encore. T'as vu, c'est vraiment très louche tout ça. C'est un peu beaucoup... pour un simple cube de la DSI. Il doit y avoir quelque chose de très important caché par ici. Tu crois?
Et cette fois, elle est vraiment énorme. Je pense pas qu'un simple flacon suffira. Tu n'auras pas un grand récipient qui pourrait te permettre de verser de l'eau là-dessus. Et il faudra aussi bien d'eau pour le remplir. Comment faire? Regardez. Je crois qu'il est mort. Oh ben. Oh. Ok, c'est juste à cause du soleil. Être ligne, fait au rapport. Je ne détecte pas d'eau ici. Pour utiliser ce mécanisme, il faut un grand récipient, mais je vous recommande de commencer par chercher de l'eau. Grand récipient et de l'eau. Bon, on va retourner à la source d'eau de tantôt. Parce que... Il n'y a pas d'eau nulle part. Tiens, toi aussi, t'es arrivé jusqu'ici. Tu cherches toujours ta copine. Moi, je suis toujours à la recherche de trésors. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des grandes ruines par ici. Mais pour l'instant... J'en ai pas vu. La moindre caillou. C'est où elle est, où elles sont. On n'est pas tous les deux, non? Tu vas me le dire, hein? Il y a des flammes qui t'empêchent d'entrer. Ben, il suffit de verser de l'eau pour les éteindre, non? Ouais, il faut beaucoup d'eau. Je vois, l'eau durera pas. Il paraît que la source de cette chute d'eau est la même que celle du lac Faria, qui se trouve très loin d'ici. Un de mes potes qui était allé chercher des trésors dans la forêt de Ferorn a logé une voie d'eau souterraine qui portait de ce lac pour revenir ici. Tout ça pour dire que c'était un super grand lac. Si t'allais là-bas, tu pourrais trouver toute l'eau qu'il te faut alors. Maître Link, paye au rapport. Comme vous l'a suggéré ce magma, je vous conseille d'aller... Il y a le moyen de transporter l'eau depuis le lac. Pourquoi ne pas demander au dragon d'eau? Avec la bassine dans laquelle baignait le dragon d'eau lorsqu'il était blessé, il devrait être possible de transporter une grande quantité d'eau. Voulez-vous que je recherche dans ma mémoire pour ajouter? Vas-y, hop. Très bien, maître. J'ai ajouté ça. Ok, bon, let's go.
Ah, ok, ça va. Les deux en même temps. Bon, on va aller dans le ciel, à la Faror. Oh putain. Donc, c'est pas trop long, je crois pas qu'on va commencer le donjon pour cette vidéo. Petit, je te colle. Voilà. Décollage tout. Ah. Yay! Bon. Ouais, let's go. Bon, ça va être parti de même. La bassine est remplie d'eau. La possibilité qu'elle puisse éteindre les flammes au volcan est de 85%. Côté de lampe proto au dragon. Oh, c'est toi. Alors as-tu pu faire évoluer ton épée? Comment? Tu souhaiterais que je te prête ma bassine? Pourquoi pas? Puisque mon pouvoir est revenu, elle ne m'est plus vraiment utile. Faisant ce qu'il te plaît, allez, va. J'ai appelé le robot pour qu'il te transporte la bassine. Oui. Très bien. Maître, je l'appelle immédiatement. Faille d'amour, me voilà. Ouch. En voilà un gros truc lourd. Mais pour moi, rien de plus facile. Et le mettre en verre, prends-en de la graine. Dans le ciel, comme d'habitude. Maître, retournons dans le ciel et dirigeons-nous vers le volcan. Huh?
Oh! Oh la traite du volcan, je ferais mieux d'arriver là-bas avant le petit maître vert. Ben quoi, y a un problème? C'est bien ici qu'il fallait transporter ta bassine, non? Quoi, au sommet? T'aurais pu me le dire plus tôt, pas question que je retourne dans le ciel avec ce truc qui pèse 3 tonnes. Mais d'un autre côté... Ouais. Infesté de monstres par ici. Enfin, en temps normal, j'en ferais qu'une bouchée, mais se trouve que j'ai dans les mains prises. Tiens, puisque t'es là, maître envers, tu vas nous montrer de quoi t'es capable. Sur tout l'espace, les monstres touchaient un seul de mes boulons. Et puis... What? Le fail lamentable. Voilà, vous voyez les... Dad!
Non! Putain! Et merde. Et grouille. Vous dire robot. Parfait que tu me suis pas pour l'instant. Ah ouais, avance. Et moi, je peux pas redescendre. Ah non, je vais pas te parler à toi. Let's go. Ah.
non, mais putain! Fuck! C'est que chauve-souris de con! Un petit Merlin! Ah non, j'espère que je recommence tout. Ok. Oh bah là, désolé, mais merde, c'est pas de ma faute que... Bon. Ah, au moins ça va. Ok. Tout bien, tout est sous contrôle. Et voilà. Là-dessus, faut qu'on verse l'eau. Ok, je m'en occupe. Ma faille adorée, tu as vu ce que j'ai réussi à faire? Si je peux encore t'être utile, appelle-moi ma douce. Bon. Les femmes qui bloquaient le chemin ont été éteintes. Je vous conseille d'avancer. Bon! On est rendu au donjon. Mais ça va être pour la prochaine vidéo parce que je vais arrêter ça ici. La prochaine vidéo, on va faire le donjon grand complet. Ensemble. Grand sanctuaire ancien. Oh. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, à partager la vidéo surtout. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye.